Ah non, c'est impossible en un mot. Et que j'ai marché à peu près dans toutes les terres de l'Algérie. L'Algérie, c'est une patrie. Les racines. Moi, l'Algérie, c'est beaucoup d'émotions. J'aime ce pays et je prends un plaisir fou à me rendre. C'est mon pays de naissance, c'est le pays à qui je dois beaucoup. Donc c'est le pays de mes parents et ils nous y ont amenés très tôt en vacances. L'Algérie, d'abord, un seul mot, c'est mon pays. Déjà, il y a le possessif qui est là et qui sera toujours là, de toute évidence. Oh là là, il y en a beaucoup. Où l'œuvre base, elle est camusienne, elle est de Camus, et elle tient sur une quinzaine de pages, peut-être un petit peu moins, elle s'appelle Noce. Il y a plein d'histoires qui reflètent un peu l'Algérie, mais c'est vrai que je suis tombé réellement amoureux de l'histoire de l'émirat Abdelkader. J'ai lu récemment un livre de Yasmine Akhdra, Les anges meurent de nos blessures. C'est l'histoire d'un boxeur algérien à l'époque coloniale. Celui qui m'a très longtemps marqué, c'est L'étranger d'Albert Camus. Il m'a marqué depuis l'âge de 15 ans. Un roman d'un Libanais qui parle d'Algérie, Léon l'Africain d'Amin Maalouf. Je pense que quand on parle d'Alger, on revoit Camus un peu. Je peux pas m'arrêter, je peux pas, même pas hésiter, Noce de Camus, et qu'on pense aux pages que Camus a écrites sur l'Algérie, sur Tipaza, sur l'histoire d'Alger, je crois qu'on ne peut pas penser à autre chose à ce moment-là. La répudiation, par exemple, de Rachid Boudjedra, je crois. Et je suis assez fan de toute la littérature algérienne, ne serait-ce que parce qu'elle m'apprend des bouts d'Algérie. Marhaban. Assalamu alaikum, Azulf Lawan, et bonjour à tous, pour utiliser les trois langues qui me sont chères. De Canout, tu vois, Inch'Allah, comme une belle chose. Souklan. D'ailleurs, Ars, l'Algérie, c'est comme une fête. L'Algérie, un mot sur l'Algérie peut-être, Allah Iberk. Voilà.